Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel assez court, un mini tuto en fait, où je vais juste répondre à une question sur Inkscape. Une question qui m'a été posée il y a bien une semaine au moment où j'enregistre ça. Et puis je l'avais pas vu cette question en fait, c'était un peu passé inaperçu. Alors la personne me dit dans une vidéo j'ai dû expliquer comment réajuster la sélection à l'image ou à l'objet. Et la personne, alors ça je m'en souviens plus avoir expliqué ça, mais j'ai dû le faire. Et la personne a une image qui est sélectionnée, qui est plus grande que la sélection est plus grande que l'image elle-même. Est-ce qu'il y a une astuce pour recadrer? Alors en fait la question c'est comment on recadre en fait dans Inkscape une image importée. Je pense que c'est ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais voir ça tout de suite dans Inkscape. Je vais mettre la propriété du le document en fait. Propriété du document ici, le document en pixels. Je vais faire un truc plus petit. 800 par 600. Voilà. Je vais retirer l'ombre et laisser la bordure. Pop, au-dessus du dessin. Donc ça c'est tout bon. Voilà, ça me donne ça. Et puis on va se placer correctement. J'en profite aussi pour répondre à une autre question. Qu'on m'a demandé un truc qu'on m'a demandé en message privé, comment on pouvait zoomer plus rapidement que d'utiliser ça, faire un truc comme ça, zoomer comme ça. Et en fait, il y avait trois petites icônes ici que j'avais déjà expliquées. Et les raccourcis de ces icônes, en fait, c'est 3, 4 et 5 du pavé numérique, ou alors qu'il y a au-dessus des lettres AZERTY si vous appuyez sur Shift en même temps. Mais sinon, quand vous avez plusieurs objets dans la scène, par exemple, faire des trucs comme ça, voilà, hop. Là, j'ai plein d'objets. Je peux en sélectionner un. Si je veux zoomer que sur celui-là, j'appuie sur 3. Tac, ça zoome dessus. C'est pareil que si je cliquais sur cette icône. Là. Zoomer sur la sélection. Si je veux zoomer sur tous les éléments qu'il y a dans la scène, c'est cette icône-là. Et la touche de raccourci, c'est 4. Donc, sur le pavé numérique, j'appuie sur 4. Et ça me zoome, en fait, ça me cadre, en fait, sur tous les éléments qu'il y a dans la scène. Et si je veux zoomer que sur le document que j'ai créé, eh bien, c'est cette icône-là. Zoomer sur la page entière, et là, toujours raccourci, c'est 5, donc si j'appuie sur 5, je zoome là-dessus. Donc je peux faire avec 5, zoomer sur le document, avec 4 sur tous les éléments de la scène, même ceux qui sont en dehors du document, et avec 3, je zoome seulement sur l'élément que j'ai sélectionné. Voilà, donc 3, 4, 5, ça permet en fait comme ça de sélectionner ou de zoomer assez facilement. Voilà. On va retirer tout ça. Donc je vais me mettre comme ça, on va en mettre... Voilà, ça comme ça. Il me faut que j'importe une image pour vous montrer donc comment on recadre une image, une bitmap qu'on aurait chargée dans Inkscape. Alors qu'est-ce que j'ai comme image sous la main? Pop, des persos manga, c'est bien les persos manga. Qu'est-ce que j'ai? Mirai, Konata, Chitanda. Voilà, on va prendre ça. Tac. Hop, du dessin de l'anime Yuka. Je sais pas si vous connaissez, très bon animé. Donc là j'ai une image, voilà, ça peut être n'importe quoi. Et puis imaginons que je veux garder qu'une petite partie de cette image, j'aimerais recadrer peut-être juste sur le visage, on va dire. Hop, hop, hop. J'aurais pu prendre une autre image. On va prendre une autre image, c'est celle-là aussi. Tac, il y a deux personnages, c'est plus intéressant. Voilà, parfait. Ça, c'est Comic Girls, un animé qui est en ce moment. Et donc, imaginons que je voudrais recadrer seulement sur ce personnage et couper en fait toute cette partie-là. Comment je peux faire ça? Il y a plein de façons de faire. La façon la plus simple, c'est de créer, comme ça, c'est une bitmap, un objet que j'ai importé. Je crée en fait un rectangle de sélection, tac, comme ça. Je peux retirer peut-être le contour, j'en ai pas besoin. Je le fais de la couleur que je veux, ça n'a pas d'importance. Là, je le place à peu près où je veux. Je peux même le rendre un peu moins opaque, histoire de voir où je le mets. Imaginons que je veuille garder que cette partie-là. Comme ça. Je m'en sers en fait pour sélectionner la partie que je veux garder. Voilà. Que cette partie-là. Donc ça, je peux le remettre en opaque. Il est sélectionné. Et je vais sélectionner en plus mon image de fond derrière. Avec un majuscule clic, voilà. Donc comme ça, j'ai les deux sélectionnés. J'ai celui-là et avec majuscule clic, je sélectionne mon image.
Donc j'ai à la fois l'image de sélectionner et le rectangle que j'ai fait qui englobe en fait la partie que je veux garder. Ensuite, je vais dans Objet. Ici, je fais Découpe et là, je fais Définir. Il y a une autre façon de faire. Il suffit juste de faire un clic droit et là, on a Définir une découpe. C'est exactement la même chose. Et j'ai donc, je clique ça, tac. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que Inkscape regarde en fait là où les deux images se superposent et conserve que cette intersection en fait. C'est une sorte de booléen. Donc là en fait, j'ai découpé mon image, mais je l'ai pas vraiment découpée. C'est-à-dire que je l'ai en fait, j'ai masqué la partie que je ne veux pas. C'est-à-dire que je peux toujours revenir en arrière. C'est super ça avec le vectoriel et avec Inkscape, je peux toujours faire un clic droit et faire ici retirer la découpe. Tac, et ça me remet toute l'image. C'est-à-dire que quand je fais cette manipulation, ça ne me supprime pas cette partie-là, ça la cache seulement. On peut voir que ça la cache d'une façon assez simple. Je refais définir la découpe. Ici, vous voyez que si je fais agrandir comme ça, on voit en fait que là, il y a toujours une partie qui est cachée, mais en fait, ça rentre en compte dans la déformation. Tac. Ça rentre, alors, je ne sais pas si c'est très visible de la façon que je le fais, mais ça rentre en compte dans la déformation. Je vais remettre ça bien, voilà. Donc, en fait, la partie est vraiment cachée, elle n'est pas retirée. Ça, on va retirer la découpe. Donc, ça, c'est simplement en masquant comme ça avec un autre élément. Ici, j'ai utilisé un rectangle. On peut tout à fait utiliser une autre forme. Je peux utiliser un truc comme ça. Alors, je le mets un petit peu moins opaque, histoire de voir où je le mets. Là, comme ça. J'ai envie de garder, on va dire, ça. C'est pas un rond forcément parfait que je suis en train de faire, donc c'est bien. Un truc comme ça. J'ai envie de garder que ça. Alors, je sélectionne l'élément que j'ai sélectionné, que j'ai créé. Majuscule, je clique sur l'image de fond en plus, comme j'ai les deux sélectionnés. Définir une découpe, et voilà. Tac. C'est super. Ça fonctionne super bien. Et là, en fait, après, je peux travailler avec ça comme je veux, mettre où je veux, etc. On revient en arrière. Tac. Je vais retirer la découpe, là. Pour retirer la découpe, clic droit, retirer la découpe. Donc ce truc-là, je peux le virer. Et maintenant, si je veux un truc un peu plus précis, c'est-à-dire que j'aimerais conserver un peu plus la forme du visage, on va simplement faire une forme comme ça, avec les courbes de Bézier, tout bêtement. Tac. Et on va garder que le visage, par exemple. Que la forme du visage, tac. Voilà. Un truc comme ça, paf, ça bah, je le remplis, hein. Hop, je retirais, tac, le contour, et puis bah ça pareil, je l'ai sélectionné, je sélectionne le fond, clic droit, alors, clic droit, créer une découpe, je peux vous montrer aussi que ça fonctionne aussi avec objet, hein. Objet, le menu objet, découpe, définir, tac, ça fait pareil, voilà, j'ai une découpe, pareil, de la même façon, donc en fait on peut découper des trucs comme ça les découpe pas, en fait, ça les masque. Ça masque, en fait, l'élément que l'on ne veut pas. Donc, c'est assez bien. Et clic droit, retirer la découpe pour revenir sur le truc entier. Donc, on perd pas, en fait, l'image. On a toujours notre image, on a toujours notre découpe. Alors, d'ailleurs, on peut même jouer un petit peu avec ça. C'est-à-dire que, ici, si je veux faire un truc un peu plus sympa, je vais, par exemple, faire un truc comme ça. Voilà. Faire un truc comme ça. Essayer de récupérer que le visage du personnage. Voilà. Je vais dupliquer avant de faire la découpe. Donc je fais un CTRL D, j'en fais un double, comme ça j'ai un double que je mets de côté. Donc je sélectionne celui-là, majuscule, je sélectionne ça, clic droit, définir une découpe. Et puis ça, ce truc-là, en fait, on va le remettre bien opaque, on va le mettre un petit peu flou, tac, et je peux le mettre derrière, tac, comme ça, voilà, et puis on peut même aussi le dupliquer encore une fois, le double, on va retirer le flou, on va le replacer bien dessus, voilà, tac, là, comme ça, et puis on va lui mettre un contour coloré. Un truc donc comme ça, voilà, et puis on va le mettre derrière, tac. Alors pas entièrement derrière, on va le ramener d'un cran,
pour que l'ombre soit bien derrière. Voilà, et là, en fait, j'ai ma découpe, un contour et une ombre. Et puis, ça fonctionne super bien. Voilà, ça c'était un tout petit tutoriel, un mini tuto sur Inkscape, tout simple, tout basique, pour montrer en fait comment on peut faire des découpes d'une image qu'on a importée assez facilement. Donc, on peut utiliser forcément tout ce qui est rectangle, tout ce qui est cercle, ellipse, arc, et aussi toutes les formes faites avec les béziers. Donc, toutes ces formes-là, les étoiles, tout ça fonctionne aussi, hein. Si je veux, je peux retirer ça, sortir ma découpe ici. Alors, voilà. Je fais n'importe quoi. Voilà. Je vais retirer ça, je le sélectionne. Voilà. Retirer la découpe. On va retirer cette forme-là. On va prendre ici une forme en étoile. On va retirer tout ce qui est contour. Voilà. On va faire un hop comme ça. On va mettre ça là, un peu plus grand. Un peu plus grand. Le placer correctement, voilà. Voilà. Bien, bien placé ça. J'aurais dû prendre une image avec un personnage là plutôt, peut-être, pour changer. Comme ça. Ou alors garder que l'œil. Ah, peut-être. Peut-être garder que l'œil, que la moitié du visage, un truc comme ça. C'est pas mal. Et donc là, hop, je sélectionne les deux, clic droit, crée une découpe et tac, j'ai gardé en fait que l'œil. Voilà. Et c'est super. Et vous voyez que c'est très simple en fait de travailler comme ça. Ce que je pourrais aussi faire, tant qu'à faire, on va faire un double de ça, CTRL D. Ensuite, on en sélectionne un, ça. Créer une découpe, voilà. Celui-là, on le passe derrière. On le met en flou. Un petit peu comme ça. On va juste le. Hop, le décaler maintenant. Ah, ce que je vais faire, ça, truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. Celui du fond, on va alors le redupliquer. On va retirer le flou, mettre un contour tout blanc peut-être. Tac. Oui. Faut le replacer correctement par contre. Donc on va leur mettre un cran derrière. Puis ensuite, on va le replacer. Voilà. Comme ça. Voilà. On sélectionne tout ça. Ah, je n'ai pas pris le. Je n'ai pas tout pris. Voilà. Là, puis on va mettre un truc derrière. Un truc en dégradé. Voilà. Paf. Cette couleur-là, je voudrais apprendre, on va prendre dans les bleus. Hop, un bleu clair et cette couleur-là, un bleu un peu plus foncé, plus un peu gris comme ça. Hop, mettre ça derrière, voilà, c'est parfait. Tac, et vous voyez qu'en n'a rien de temps en fait, en n'a rien de temps, on fait un petit truc. Ça, est-ce que je remets tout devant, on va essayer de moins comme plus comme ça. En fait, le contour le cache totalement, donc on va peut-être l'agrandir un petit peu. Voilà, comme ça. On le replace tout derrière, on le remonte d'un cran. Voilà. Moins flou. On va avoir une petite ombre. Peut-être même rendre l'ombre un peu plus de la couleur, en fait, du fond. Comme ça. Paf. Et vous voyez qu'en n'a rien de temps, on peut faire des choses bien. Donc ça, c'était juste pour montrer comment on pouvait découper une bitmap dans Inkscape avec des formes vectorielles, des trucs assez basiques, assez simples. Et puis c'est tout. Donc j'ai rien d'autre à dire dessus sur cette petite manipulation. C'était juste pour répondre en fait à une question qui m'avait été posée. Voilà. Donc à la prochaine fois pour une autre vidéo sur la chaîne.